you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. C'est une course open, open 1, open 2, open 3, qu'on organise tous les ans. C'est le premier souvenir Louis Bonassi, c'est l'ancien président d'Istres Sport Cycliste qui est décédé cette année. Et du coup, on a décidé de la rebaptiser Souvenir Louis Bonassi pour cette année, parce que bon, 17 ans à la tête de Istres, on va démarquer le coup et bon, voilà. Tu peux nous parler des coureurs d'Istres Sport Cyclisme ? Bah, les coureurs d'Istres, on a quelques coureurs qui marchent bien en ce moment parce qu'ils ont fait un super résultat la semaine dernière autour d'Orte et d'Arrigon qui se trouve dans les Landes. On a Jules, on a Sacha, on a Adrien, on a Quentin, on a Steve aussi qui marche bien, un ancien élite qui est là pour justement en tant que capitaine de route pour les épauler. Voilà. Ok. Merci Franck. De rien. Merci à vous. Alors moi je suis content d'être là aujourd'hui, je m'appelle Jean-Luc Martin, donc artiste peintre et je fais aussi de la figuration et à la demande de Jean-Philippe qui crée beaucoup d'événements et autour du RAID, donc cette association qui... Alors le but, j'expliquerai en quelques mots, le but c'est justement de protéger notre étang de Berre. C'est important que tout le monde soit conscient qu'on a une richesse et que cette richesse, faut l'entretenir. Donc... Voilà, on est sur le circuit, on va se dérouler le Grand Prix de Racine. Tu peux te présenter ? Alors moi, c'est Steve Pierrien. Donc, j'ai repris l'activité sportive, le cyclisme avec Franck au sein du club de Istres après un arrêt de compétition et de vélo complet pendant 5 ans. Donc j'ai repris avec comme but de faire un peu capitaine de route et apprendre aux jeunes du club ce que c'est réellement le vélo. Donc ancien coureur élite, j'étais en DNA à Montauban, ancien membre de l'équipe de France militaire. Voilà. Donc on va apprendre un peu le... C'est un beau parcours. Un beau parcours, ouais. Merci Steve. Voilà, merci à vous. Au Zouk, un garçon aussi qu'on a vu sur la classique cette année de Montpellier Classique. Et on retrouvera donc dossard numéro 3, Sacha Birou. On retrouvera dossard numéro 4, comme Sugala, Vincent. On va retrouver Victor de Pâques, Victor Le Beau, et donc Vincent. Le dossard numéro 10, c'est Sacha. Le dossard numéro 11, Jules Fiet, au départ de Pâques. A hopeless romantic all my life, surrounded by couples all the time. I guess I should take it as a sign. I'm feeling lonely. Oh, I wish I'd find a way. For you.
D'être aujourd'hui sur la Suède pour la course de vélo. Cette course de vélo marque un événement bien précis qui est Olympe. Olympe qui a été lancé par le raid de l'étang de Berre. Donc c'est 5 événements. C'est 5 événements sportifs qui vont nous permettre de rassembler et de permettre aux citoyens et citoyennes de connaître l'association qui milite aujourd'hui pour tout ce qui est la réhabilitation de l'étang de Berre et la lutte contre le cancer du sein. Océan Martini en troisième position,